بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons revenir sur certains points qui ont été évoqués dans le troisième cours. Certains de ces points sont une rectification et d'autres un complément d'information. Donc par rapport à la question de le premier point sur lequel je reviendrai est la question de ar-rawatib. On avait cité la divergence entre les savants quant au ar-rawatib, est-ce qu'il est préférable de les faire à la mosquée, au masjid ou à la maison. Et l'avis que j'avais considéré être le plus apparent était celui de l'imam Malik et de Sufyan al-Thawri, à savoir la distinction entre les rawatib de la journée et les rawatib de la nuit. Ceci dit, en étudiant la question d'un peu plus près, il s'avère que l'avis le plus juste est l'avis de Jumhur Ahl-Layn, qui est que les rawatib, aussi bien de la journée que de la nuit, il est préférable de les faire à la maison. Les rawatib, les prières surrogatoires, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en permanence et qui sont liés à des prières obligatoires, il les a fait en permanence, il est préférable de les faire en permanence à la maison. À tel point que Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala a cité l'ijma sur cette question. Mais le plus juste, c'est que il n'y a pas de consensus sur la question. Le premier avis donc est celui du Jumhur, qui est que les rawatib doivent être faites, où il est recommandé de les faire à la maison, aussi bien celle de la journée que celle de la nuit. Le second avis est celui de l'imam Malik et de Sufyan al-Thawri, qui est que les rawatib de la journée doivent être faites à la maison, au masjid, et les rawatib de la nuit au bayt. D'accord? Les rawatib de la nuit au bayt, à la maison. Et la distinction en réalité, la distinction entre les rawatib de la journée et les rawatib de la nuit n'est pas juste. Pour quelle raison? Car si cette distinction était valide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait les rawatib de la journée à la maison. Il les aurait fait au masjid, afwan. Et il aurait été donc préférable de les faire au masjid. Mais lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a fait les deux rakats de l'fajr avant la prière obligatoire du matin. Il les a fait chez lui et non pas au masjid, comme j'avais dit dans le cours précédent, donc c'était un point à rectifier. Et de même, les deux rakats après Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait chez lui, comme il est rapporté dans le hadith al-Sahih. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de distinction en réalité entre les rawatib de la journée et les rawatib du jour, et qu'il est préférable dans les deux cas de figure de prier les prières surrogatoires chez soi. Et la preuve, c'est le hadith général, la généralité du texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ayyuha an-nas usallu fi buyutikum » « Aux gens, priez chez vous ». Nous allons voir ce hadith, inshallah, avec ce hadith dans sa totalité dans les minutes à venir. Le troisième avis sur cette question est celui de Al-Qadi Abu Tayyib Al-Qadi Abu Tayyib, comme le rapporte l'auteur de At-Tathrib, qui est que toutes les prières qu'il est recommandé de faire toutes les rawatib au masjid, que ce soit les rawatib de la journée ou les rawatib de la nuit. Et comme nous avons vu, l'avis le plus juste est l'avis du Jumhur, de la grande majorité des savants, se basant sur la globalité du texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ayyuha an-nasu sallu fi buyutikum » aux gens, priez chez vous. Aux gens, priez chez vous. « Fa inna khayra salati al-mar'i salatuhu fi baytihi » car la meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit chez lui. La meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit chez lui. Inch'Allah, on va voir les références de ce hadith dans les minutes à suivre. Et par rapport à la question de savoir est-ce qu'il est préférable de faire les rawatib chez soi ou de venir tôt au masjid et de les faire au masjid afin d'avoir le premier rang, le Cheikh Walid Sa'idan, hafidhahullah, dit ce qui suit dans son نفراج إتحاف النبهاء بضوابة الفقهاء يقول فإن قلت إن كان إيقاعها في البيت سيفوت علي الصف الأول فأيهما يقدم. Il dit donc il expose une problématique
qui est si jamais je fais les deux rak'ah, les rawatib chez moi. Si le fait de faire les rawatib chez moi va m'empêcher d'obtenir la valeur qu'il y a dans le premier rang et d'être au premier rang au masjid. Quelle est la sunna que je dois faire prévaloir? Faire les rawatib chez moi ou venir tôt au masjid pour avoir le premier rang, quitte à faire les rawatib al-qabliya, les raka'at avant la prière obligatoire au masjid. هنا أقول هذا سؤال جيد فأقول أن أما الإمام فلا يحتاج إلى جوابه لأن مكانه معروف. Il dit cette question est une question qui est très intéressante. Il dit quant à l'imam, il n'y a pas besoin de répondre à son sujet. Pourquoi? Parce que la place de l'imam est connue. D'accord? لأن مكانه معروف. وكذلك, une parenthèse ici, l'imam dans les pays arabes ne peut être comparé des fois à l'imam en Occident, sauf si il a un appartement juste à côté du masjid. À ce moment-là, il fait les deux rak'at dans cet appartement qui lui est réservé et il vient aussitôt au masjid. Mais si jamais il habite très très loin du masjid ou il habite à une distance qui ne lui permet pas de faire les deux rak'at et d'arriver à temps pour faire la prière obligatoire, surtout qu'aujourd'hui en Occident, c'est très souvent entre l'adhan et l'iqama, il y a 5 minutes ou même moins des fois. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a nul doute que l'imam se doit de faire les rawatib au masjid. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire la rawatiba chez lui et puis venir après rattraper, guider les gens pour la salat. Je continue les paroles du cheikh. Il dit, « Amma l'imam ou fala yahtaj ou ila jawabihi li anna makanahu ma'rouf. Wa kadhalik al-nawafil al-ba'diyya ka raka'atayni ba'd al-dhuhri wal-maghrib wal-isha. Hadhihi la tahtaj ou ila jawabihi li anna ba'd al-salat. » Il dit de même, les deux raka'at après les prières obligatoires, ce qu'on appelle la rawatib al-ba'diyya, celle-ci ne pose pas problème. Pourquoi? Parce que on ne rencontre pas la problématique de rater le premier rang vu qu'elles sont après la prière, à savoir les deux raka'at après dhuhr, les deux raka'at après le maghrib et les deux raka'at après al-isha. وكذلك النوافل الاخرى وقيام الليل والوتر. Et de même les autres prières sont obligatoires, il n'y a pas lieu de se poser la question il n'y a pas lieu de se poser la question après avoir su qu'il est préférable de les faire chez soi. Est-ce que dans tel ou tel cas de figure, ne me serait-il pas préférable de les faire au masjid? Comme par exemple à Qiyam al-Layl, nul doute qu'il est préférable de les faire chez soi, al-Witr et les autres nawafil. D'accord? Sauf bien sûr s'il y a un cas d'exception. Ça c'est autre chose. Comme quelqu'un qui doit faire par exemple salat istikhar avant d'acheter quelque chose ou avant d'entreprendre une affaire, et qui n'a pas le temps de rentrer chez lui. Là, à ce moment-là, on ne va pas lui dire, non, il t'est quand même tout de même préférable de rentrer chez toi et de le faire, si jamais, car si on agit de la sorte, on risque de lui faire passer sous la main une affaire qui peut lui être bénéfique dans sa dunya. Or, l'islam n'impose pas aux gens une telle contrainte. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas de mal à ce qu'il les fasse au masjid. Il dit وكذلك النوافل الاخرى وقيام الليل والوتر ونحوها كل ذلك لا يحتاج الى مثل هذا السؤال كما هو معروف لان مصلحه ايقاعها في البيوت لا يعارضها مصلحه اخرى. Car dans tous les cas de figure qu'on a cités précédemment, à savoir قيام الليل, salat al-witr, les deux rakat après le dhuhr, après le maghrib, après l'isha, l'intérêt à les faire chez soi ne s'oppose pas à un autre intérêt. La maslaha, le bénéfice de les faire, à faire ces raka'at chez soi, ne s'oppose pas à une autre chose qui puisse nous être bénéfique. لكن بقي عندنا النافلة القبلية وهي أربعون قبل الظهر. Mais il nous reste la problématique de la prière surrogatoire avant la prière de dhuhr. Et le cheikh dit ici, وهي أربعون, elles sont au nombre de 4. Et sur ça aussi, je tenais à revenir, vu que dans le cours précédent, j'avais expliqué que c'était deux raka'at simplement, se basant sur le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il disait, il n'a pas dit kana, je me suis trompé aussi sur ça. Il a dit, j'avais dit que Ibn Omar avait dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atayni qabla adh-dhuhr, la ilaha fil hadith, que Ibn Omar aurait employé la particule kana qui indique la continuité. Donc, sans revenir sur la question est-ce que kana indique réellement la continuité ou pas, ça c'est une chose. Et la deuxième des choses, Ibn Omar n'a pas dit kana, il a dit hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni qabla adh-dhuhri wa rak'atayni ba'da adh-dhuhri wa rak'atayni ba'da al-maghribi wa rak'atayni ba'da al-isha wa rak'atayni qabla al-fajr.
Il a dit, j'ai retenu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 2 rak'at avant le dhuhr, 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib, 2 rak'at après l'isha et 2 rak'at avant le fajr. Ici, ce hadith est rapporté par le Bukhari. Mais Aïcha radiallahu anha, dans un hadith sahih que nous allons voir par après, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli arba'an qabla al-dhuhr. Il priait 4 rak'at avant le dhuhr. Donc, comment expliquer, comment joindre entre ces deux textes? Certains savants ont dit qu'il faisait 2 rak'at chez lui et 2 rak'at au masjid. D'autres ont dit qu'il faisait 4 tout de même chez lui, mais que Ibn Omar n'en a retenu que 2. Et que, wa anna man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Et que celui qui a retenu une information supplémentaire est une preuve contre celui qui n'a pas retenu cette information, et que par conséquent, nous devons faire prévaloir la parole de Aïcha, ou le supplément d'information présent dans le texte que rapporte Aïcha sur ce que rapporte Ibn Omar, radiallahu anhuma. Et le plus juste, inshallah, c'est ce second avis, cet avis, qui dit que nous faisons prévaloir la parole de Aïcha sur la parole d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, contrairement à ce que j'avais dit dans le cours précédent. Donc je reviens aux paroles de Cheikh Walid, hafidhahullah, il dit, نعم لكن بقي عندنا النافلة القبلية وهي 4 قبل الظهر وركعتان قبل صلاة الفجر. Il dit, mais il nous reste la problématique de les nawafil avant les prières obligatoires, qui sont 4 rak'at avant le dhuhr et 2 rak'at avant la prière du fajr. فهل الأولى فعلها في البيت مع تفويت الصف الأول أم الأولى فعلها في المسجد مع إدراك الصف الأول. Il dit, par rapport à ces nawafil qabliya, est-ce qu'il est préférable ou recommandé de les faire chez soi, quitte à ne pas se retrouver dans le premier rang et ne pas obtenir la valeur et la récompense qu'il y a dans le premier rang? Ou est-il préférable de les faire au masjid afin d'obtenir le premier rang? والجواب أنه إذا غلب على ظنه أنه إذا فعلها في البيت أن الصف الأول سيفوت عليه فهنا أقول قد تعارض عندنا مصلحتان مصلحة فعل النافلة في البيت ومصلحة الصف الأول وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح فإننا نقدم العليا منها بتفويت الصغرى وتقرر أيضا أننا نقدم المصلحة التي تفوت إلى غير بدل على المصلحة التي تفوت لبدل. Il dit, la réponse à cette question, c'est que si jamais le fidèle suppose majoritairement que s'il prie les 2 rak'at, les 4 rak'at avant le dhuhr et les 2 rak'at avant le fajr chez lui, il ne pourra pas rattraper le premier rang au masjid, à ce moment-là, il lui est recommandé de les faire au masjid. Pour quelle raison? Car il est établi dans les règles de Usul que si deux choses bénéfiques viennent à s'opposer, de sorte à ce qu'on ne puisse pas les faire les deux à la fois, à ce moment-là, on fait prévaloir la plus importante de ces masalih-là. D'accord? La plus importante de ces masalih. Et nul doute que la maslaha présente et l'intérêt, le bénéfice présent dans le fait de faire les deux rak'at, d'être au premier rang est plus important que de faire les rawatib chez soi au lieu de les faire à la mosquée. La deuxième règle aussi, c'est qu'il est établi dans les règles de Usul que si jamais nous avons deux maslaha qui s'opposent de sorte à ce qu'on ne puisse mettre en pratique les deux à la fois et mettre en pratique les actions qui présentent ces deux masalih à la fois, que doit-on faire? On doit observer chacune de ces masalih, chacune de ces maslaha. S'il y en a une qui a un substitut qui peut prendre sa place, et l'autre, elle n'a pas de substitut qui peut prendre sa place, on fait prévaloir celle qui n'a pas de substitut qui prend sa place sur celle qui a un substitut. Donc, on fait celle qui n'a pas de substitut qui prend sa place en délaissant celle qui a un substitut. Pourquoi? Parce que celle qui a ce substitut-là, al-badal, on va pouvoir mettre en pratique le substitut afin d'obtenir une récompense qui sera certes moins grande, mais qui sera tout de même là. Mais si dans le cas contraire, nous venions à délaisser celle qui n'a pas de substitut afin de réaliser celle qui en a un, que va-t-il se passer? C'est que celle qui n'a pas de substitut, on ne pourra pas obtenir le bienfait qu'il y a dedans par après. Maintenant que cette règle-là est établie d'un point de vue purement théorique, je vais m'expliquer, inshallah, par rapport à la question de rawatib fil bayt ou rawatib fil masjid. Les rawatib fil bayt, les prières surrogatoires chez soi, sont certes recommandées, d'accord. Mais si jamais tu ne peux pas faire ça,
il y a un substitut qui est de les faire où? Au masjid. Mais le fait d'être au premier rang, le bénéfice et la valeur d'être au premier rang, si jamais tu ne le fais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend la place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend la place du premier rang? Il y a le deuxième rang. Mais le deuxième, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend la place du premier rang? Il n'y a rien qui prend la valeur exacte du premier rang. Contrairement aux rawatib au masjid. Si jamais tu ne les fais pas, les rawatib à la maison, si jamais tu ne les fais pas à la maison, tu peux les faire au masjid, ou tu peux les faire même ailleurs. Contrairement à la valeur présente dans le premier rang, il n'y a rien qui permettra d'obtenir cette récompense-là qui est présente dans le premier rang. Si tu, bien sûr, tu avais la capacité de venir à ce premier rang-là. إذا علمت هذا فأقول إن مراعاة إدراك فضيلة الصف الأول أولى من مراعاة إيقاع النافلة في المسجد وذلك لأمور منها فعل الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم. Il dit, à partir du moment où tu as su ces règles-là, sache donc que prendre soin de préserver la valeur présente dans le premier rang est plus important que prendre le soin de préserver la valeur d'accomplir les prières surrogatoires chez soi. Et la preuve est l'action même des sahaba radiyallahu anhum, donc le hadith qu'on avait cité précédemment, le cheikh va le citer ici, fi ahdihi sallallahu alayhi wa sallam kama fil maghrib wa ghayriha idha adhana al mu'adhdhin ibtadara an nas al sawari yusalluna rak'atayn حتى يظن الداخل أن الصلاة قد أقيمت وكانوا يأخذون مصافهم قبل أن يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, donc la preuve, c'est ce que faisaient les sahaba radiallahu anhum à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Ceci pour la prière du Maghrib et pour autre que le Maghrib. Donc le cheikh ici considère que le hadith qu'on avait cité précédemment, rapporté par An-Nasa'i, ne concerne pas que Salat al-Maghrib. Dans ce texte, l'imam Nasa'i rahimahullah dit, lorsque le muadzin appelait à la salat, des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se levaient et se pressaient vers les poteaux afin de prier, restant dans cet état jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils priaient al maghrib. Ils priaient avant le maghrib. Donc, lorsqu'il dit ils priaient avant le maghrib, ceci prouve que la prière qui était citée précédemment, à savoir les nawafil, que dès qu'ils entendaient l'adhan, ils s'empressaient à aller les faire, que ces nawafil-là ne sont pas que les raka'at après le maghrib, c'est que les raka'at après le maghrib, ne sont pas que les raka'at avant le maghrib, et que les deux raka'at qu'ils faisaient avant le maghrib, étaient du nombre des prières qu'ils faisaient lorsqu'ils entendaient l'adhan, mais ce n'étaient pas les seuls. Et ce qui indique que ce n'étaient pas les seuls, premièrement, la généralité présente dans le texte, lorsque le sahabi dit, lorsque le mu'adhin appelait à la salat, des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se levaient, se pressaient vers les poteaux afin de prier. Donc ici, la salat, c'est un terme général, il englobe tous ses composants jusqu'à preuve du contraire. Donc ça englobe toutes les prières jusqu'à preuve du contraire. De même, lorsqu'il dit, et il priait avant le maghrib, ce qui prouve que la prière précédemment citée, englobait le maghrib et englobait autre que le maghrib. Donc tout ça pour justement revenir sur l'argumentation du cheikh. Lorsqu'il dit, hafidhahullah, que les sahaba agissaient de la sorte dans la prière de Maghrib et autre que le Maghrib. Comment a-t-il déterminé ça? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, je pense que c'est sur base de la globalité présente dans le texte. Yani, huwa dhikrul khas ba'd al-'am. C'est ce qu'on appelle évoquer une chose spécifique après avoir évoqué une chose générale. D'accord? Évoquer une chose spécifique après avoir évoqué une chose générale. C'est comme si, l'un d'entre nous dit, دخلت البيت فرأيت أسرتي ورأيت والدتي. Je suis entré chez moi, j'ai vu ma famille, j'ai vu ma mère. Lorsqu'il a dit j'ai vu ma famille, sa mère entrait dedans. Mais pourquoi il a dit et j'ai vu ma mère? C'est pour attirer l'attention sur sa mère et pour montrer l'importance de que sa mère avait à ses yeux. Donc lorsque les sahaba radiyallahu anhum ici disent lorsque l'un des sahaba dit que les sahaba priaient lorsqu'ils entendaient l'adhan, ils se levaient, ils accouraient ils se précipitaient vers les poteaux afin de prier, et ils priaient avant le maghrib. Lorsqu'il dit ils priaient avant le maghrib, c'est pour attirer l'attention sur la prière de le maghrib et qu'il est permis de prier avant le maghrib. Mais ça ne veut pas dire que ils ne priaient que lorsqu'ils entendaient l'adhan de le maghrib. C'était le maghrib et d'autres que un maghrib. Et cette règle-là, on dit quoi? On dit que khas ba'd al-'am yufidu at-ta'zim ou yufidu al-ahammiyya. D'accord?
évoqué une chose spécifique après avoir évoqué une chose générale indique l'importance de la chose spécifique qui a été mentionnée. On peut retrouver ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit: "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibril nam. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna Allah aduwan lil kafirin." Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers et de Jibril et de Mikael, certes Allah est l'ennemi des mécréants. Dans ce verset, lorsqu'Allah a mentionné Jibril et Mikael entrent dans la globalité des anges qui ont été mentionnés au début du verset. Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, et de Jibril et de Mikael. Donc, Jibril et Mikael entrent dans la globalité des anges. Mais pourquoi ont-ils été mentionnés à part? C'est pour montrer l'importance de ces anges-là. D'accord? Et de même, on retrouve ça dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Et quiconque sa hijra est pour un intérêt de ce bas monde ou pour épouser une femme, sa hijra, il n'obtiendra comme récompense que ce pourquoi il a immigré. Ici, chercher à épouser une femme entre dans l'un des intérêts de dunya. Mais pourquoi a-t-il été évoqué spécifiquement après que un terme général a été employé, à savoir dunya? C'est pour montrer la grande fitna que peut produire le fait de chercher à obtenir cet intérêt-là parmi les intérêts de dunya, à savoir la femme. Je continue donc les paroles du cheikh. Il dit: wa kanu ya'khudhuna masafahum qabla yakhruj 'alayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sahaba ils priaient avant les prières obligatoires, ils priaient au masjid. Puis ils prenaient leur rang avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sorte. Donc ils étaient déjà prêts dans les premiers rangs avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sorte. ومنها أنه إذا فاتت مصلحة الصف الأول فإنها تفوت إلى غير بدل وأما مصلحة النافلة في البيت فإنها إن فاتت فإنها تفوت إلى بدل وهو فعلها في المسجد وإدراك ما بعدها إلى غير بدل أو وإدراك ما بعدها إلى غير نعم وإدراك ما بعدها إلى غير بدل أولى من إدراك ما يفوت للبدل. Ça, on a déjà évoqué par rapport au fait que les deux rakat à la maison ont un substitut, contrairement au bénéfice d'être dans le premier rang qui n'a pas de substitut. Donc à ce moment-là, faire prévaloir ce qui n'a pas de substitut prévaut sur le fait de faire prévaloir ce qui a un substitut. Wallahu a'lam. Wa minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-safi al-awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alayhi lastahamu. Rawahu Muslim. ومثل هذا الفضل لا يعارض بشيء الله اعلم. Donc ici il cite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière et dans le premier rang, et s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et nul doute que c'est lorsque la récompense et la maslaha, l'intérêt présent dans ce hadith, l'intérêt à faire ne peut être contredit par l'intérêt à faire les deux rakaat ou faire les quatre rakaat avant le dhuhr ou avant le fajr chez soi, car la récompense est certes importante, mais elle n'est pas aussi importante que celle présente dans ce hadith. ومنها أن الحكمة الشرعية من إيقاع النافلة في البيوت تدرك بالنوافل الأخرى كالبعدية وقيام الليل، وإنما الذي يفوت شيء يسير من النوافل. Un autre point qui permet d'affirmer ce qui a été cité précédemment, c'est que la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du fait de faire les nawafil chez soi, qu'est-ce que c'est? C'est que nos demeures ne deviennent pas des cimetières. Et que nos demeures
soit rempli du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'obéissance d'Allah, afin que la baraka s'y installe et y descende. Ces sagesses-là ou cette sagesse-là peut être rattrapée par après. Comment ? En faisant d'autres prières surrogatoires chez soi. Or, la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu derrière le fait de faire la prière au premier rang, elle ne peut pas être rattrapée par autre chose. Elle ne peut pas être rattrapée par autre chose. فهو إنما سنة الظهر نعم فهو إنما سنة الظهر القبلية وركعتا الفجر فقط فهي لا تفوت كلها إنما بعضها لكن فضيلة الصف الأول إن فاتت فإنها تفوت كلها ولا يمكن تدارك شيء منها وتقديم العبادة التي تفوت مصلحتها بالكلية أولى من تقديم ما لا تفوت مصلحته بالكلية نعم. Et l'autre point, c'est que comme on a vu, les deux l'intérêt ou la sagesse derrière le fait de faire les prières surrogatoires à la maison peut être rattrapée par autre chose et peut être comblée. Quant à l'intérêt d'être au premier rang, il ne peut être comblé par rien d'autre. Et il est établi dans les règles de Usul que lorsque nous avons deux masalih, deux choses qui nous sont bénéfiques, l'une peut être comblée par autre chose et une autre ne peut pas être comblée par autre chose. À ce moment-là, on fait prévaloir laquelle ? Celle qui ne peut être comblée sur celle qui peut être comblée. وبهذا يثبت لك أن إدراك الصف الأول أول أولى من تحصيل النافلة في البيت وبعد ذلك أقول نعم. Il dit à travers tout ce qui a précédé, tu peux voir clairement qu'il est préférable de faire, qu'il est plus important de faire la prière au premier rang que de faire les prières surrogatoires, al-qabli avant les prières obligatoires chez soi. وبعد ذلك أقول إننا في هذه الأزمنة قد تكاسل كثير من الناس عن التكبير عن التبكير في المسجد وزهدوا في ذلك زهدا عظيما فلو صليت النافلة كلها في البيت فأنا ضامن فلو صليت النافلة كلها في البيت فأنا ضامن لك إن شاء الله تعالى أن تدرك الصف الأول فإن غالب الناس الآن لا يأتون إلا مع سماع الإقامة وبعضهم بعد فوات الركعة الأولى فإن غلب على ظنك إدراك الصف الأول فعليك بتحصيل المصلحتين ولا تفوت منها شيء ولا تفوت منها شيء والله يوفقنا وإياك لكل خير. Puis le cheikh attire l'attention sur une chose qui est présente et qu'on peut retrouver dans les pays arabes, à savoir que très peu de gens viennent lorsqu'ils entendent l'adhan et que les gens ne viennent que lorsqu'ils entendent al-iqama. Il dit par conséquent, si tu penses que tu es capable de faire les prières surrogatoires avant les prières obligatoires chez toi et ensuite venir à la mosquée pour avoir le premier rang, vaut mieux réunir entre ces deux bienfaits-là, car la plupart des gens aujourd'hui ne se pressent pas à être au premier rang. Donc, même si tu fais les prières surrogatoires chez toi et que tu viens à la mosquée, tu trouveras toujours de la place au premier rang, car la plupart des gens ne viennent que lorsqu'ils entendent l'iqama et d'autres ne viennent qu'après la première raka'a. Tout ceci, bien sûr, est valable dans les pays arabes ou dans les pays où on entend l'adhan. Quant à nous autres aujourd'hui en Occident, en général, il y a 5 minutes, au grand maximum 10 minutes entre l'adhan et l'iqama, et les mosquées ne sont pas, les masajid ne sont pas tout près, donc il est préférable d'être là avant même l'adhan, afin de faire les prières surrogatoires au masjid et non pas à la maison, car en général, si on les fait à la maison, le temps de prendre les transports, ou le temps de venir, ou le temps de faire le chemin jusqu'au masjid, on risque d'arriver à la troisième et quatrième raka'a, et non pas pour, mais même la prière nafila ratiba avant la prière obligatoire, on risque de ne pas avoir l'occasion de la faire au masjid avant la prière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc par rapport à ce point-là, je tenais à faire cette parenthèse. Wa jazakumullahu khairan. Une autre correction aussi. J'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ratiba du fajr, les deux rakat avant le fajr, au masjid. Et ceci est une erreur. La preuve est que le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب والعشاء في بيته. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, priait les deux rakat avant le fajr, les deux rakat après le maghrib et les deux rakat après l'isha chez lui. Les deux rakat avant le fajr,
Les deux rak'at après le Maghrib et les deux rak'at après l'Isha, il les faisait chez lui. Un autre point de même, au sujet de Salat al-Tarawih, Comme vous avez pu voir dans le cours précédent, j'avais mentionné que l'avis le plus apparent était qu'il est préférable de faire Salat al-Tarawih au masjid et non pas chez soi. Par rapport à ce point-là, donc je tenais aussi à rectifier, le cheikh lui-même, hafidhahullah, dans Kitab al-Salat et non pas dans Kitab al-Siyam, a mentionné que l'avis le plus juste est que la prière de Tarawih, il est préférable de la faire chez soi. Mais bien sûr, il y a des conditions que je vais mentionner, inshallah, dans ce qui va suivre. Tout d'abord, la preuve qu'il est préférable de faire la prière de Maghrib et la prière de Tarawih chez soi est le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Il dit Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté nam, il dit صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة الصلاة صلاة المرء في بيته. عفوا ce hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô gens, priez chez vous car la meilleure prière est celle accomplie par l'homme chez lui, excepté la prière obligatoire. صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Ô gens, priez chez vous car la meilleure prière est celle accompli par l'homme chez lui, excepté la prière obligatoire. L'imam Malik, sur base de ce hadith, l'imam Malik était d'avis que la prière de Tarawih est recommandée chez soi. Ceci dit, il y a le consensus, comme le rapporte l'imam Shawkani. L'imam Shawkani rapporte à l'ijma, le consensus, que cette recommandation ne concerne que celui qui connaît le Coran et pouvant ainsi prier chez lui, que celui qui connaît le Coran pouvant ainsi prier chez lui. Cet avis aussi est aussi celui de l'imam al-Khattabi rahimahullah, que l'imam Shawkani a rapporté. Ce passage là est tiré de Sharh Zad al-Mustaqna de Cheikh Omar al-Hazimi hafidhahullah. Ainsi on retrouve dans al-Mudawwana de l'imam Malik, al-Mudawwana qui reprend le fiqh de l'imam Malik rahimahullah. Malik a dit s'il a la force de prier chez lui, cela m'est préférable. Si le fidèle a la force de prier chez lui, cela m'est préférable. Et ce n'est pas tout le monde qui en a la force. Fin de citation. Donc on voit, il est donc important de prendre en compte la situation générale avant de se prononcer. Aujourd'hui, dire qu'il est préférable dans tous les cas de figure de faire la prière de Tarawih chez soi, ce n'est pas tout le monde qui a la force de faire la prière de la nuit chez soi. Par conséquent, les gens vont ne pas risquent d'abandonner la prière de Tarawih au masjid pour finalement dormir chez eux et ne pas faire la prière de la nuit. En ce qui concerne les femmes, il est préférable pour elles de faire la prière de Tarawih chez elles. Et la preuve est le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. N'empêchez pas aux servantes d'Allah d'aller au masajid d'Allah et la prière chez elles est meilleure. La prière chez elles est meilleure pour elles. Et leurs demeures sont meilleures pour elles. Ce n'est pas la prière chez elles est meilleure, c'est et leurs demeures leur sont meilleures. Ce qui implique, bien sûr, que la prière chez elles est meilleure. Mais le texte, comme on le retrouve, c'est n'empêchez pas aux servantes d'Allah d'aller au masajid et leurs demeures leur sont meilleures, ce qui implique que la prière chez elles leur est meilleure. Bien sûr, tout ceci sont des ahkam asliya, c'est les statuts de base. Il peut y avoir des exceptions si dans un cas, dans certains cas de figure, il peut y avoir des exceptions, mais nous on ne parle pas des cas d'exception, comme quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, d'aller entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par une personne qui lit le Coran convenablement. Donc à ce moment-là, si la femme a vraiment besoin de ça pour se ressourcer et se renforcer dans sa foi, nul doute que dans ce cas de figure, il n'y a pas de mal et que le mari, il est même préférable pour le mari de l'accompagner ou pour la femme d'aller au masjid, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de fitna sur la route.
Parce que, une parenthèse ici, vu que Salat al-Tarawih en ce moment est assez tardive, pour qu'une femme elle sorte le soir à cette heure-là seule et qu'elle se rende au masjid pour prier et revienne seule, nul doute que ceci ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ces heures tardives, ce qui lui est demandé, c'est de rester chez elle afin de se préserver et de ne pas se retrouver face ne pas se retrouver dans, face à des dangers ou à des difficultés, surtout avec le climat anti-islam qui est en train de monter et la situation actuelle des musulmans. Donc, afin de préserver nos sœurs, il leur est préférable à ces heures tardives, de rester chez elles, non pas de sortir sous prétexte de vouloir obtenir la récompense à prier la prière de Tarawih, de sortir à ces heures tardives. Non, dans ces cas, vaut mieux pour elles qu'elles restent chez elles. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Un autre point aussi que je tenais à rectifier, j'ai dit que le hadith au sujet de Ratibatul Maghrib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, aux gens prient, naam, afwan. J'ai dit que le hadith au sujet de Ratibatul Maghrib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'elle soit priée chez soi, que ce hadith a été rapporté par Muslim, ce qui est une erreur. Ce hadith fut rapporté par l'imam Abu Daoud, entre autres, selon Sa'd ibn Ishaq, selon son père, selon son grand-père. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le visita au masjid de Banu Abdil Ashal. De Banu Abdil Ashal. C'était une tribu. Il y pria al Maghrib, il les vit ensuite accomplir des prières surrogatoires après la prière. Il leur dit alors, Ayyuhan Na'am. Il leur dit alors, Hadi Salatul Buyut. Cette prière est celle devant être accomplie dans vos demeures. Cette prière est celle devant être accomplie dans vos demeures, c'est-à-dire chez vous. Hadi salatul buyut. Et par rapport à la prière de Tarawih, je reviens dessus, par rapport à la prière de Tarawih, il y a des conditions donc pour que la prière de Tarawih soit recommandée chez soi. Premièrement, que la personne connaisse une certaine partie du Coran pour pouvoir lire le Coran durant la salat al-Tarawih. Deuxièmement, qu'il ait la force de prier seul. Qu'il ait la force de prier seul. Troisièmement, que son absence n'affecte pas al-Jama'a. Son absence n'affecte pas al-Jama'a, c'est-à-dire que, imaginez qu'il habite près d'un masjid, et que s'il est absent, les gens vont faire preuve de paresse et ils ne vont pas venir non plus. Ou que c'est lui l'imam. À ce moment-là, nul doute qu'il est préférable pour lui d'aller au masjid et pour faire la prière de Tarawih en groupe. Et la preuve, qu'est-ce que c'est? La preuve, c'est justement les preuves que nous avions mentionnées, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié en groupe avec les sahaba, radiyallahu anhum, et qu'il s'est refusé à le faire que de peur qu'elle ne leur soit prescrite. Donc, ceci est valable pour celui dont l'absence va affecter le jama'a. Et nul doute que l'absence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut affecter, que l'absence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, affecte le jama'a. Mais si c'est quelqu'un d'autre, comme nous allons le voir dans ce qui est rapporté concernant certains sahaba radiyallahu anhum, c'est un autre cas de figure. Donc la première condition, c'est qu'ils connaissent une certaine partie du Coran pour pouvoir lire pendant la prière nocturne. Deuxièmement, qu'il ait la force de prier seul et qu'il ne soit pas paresseux. S'il sait que s'il ne va pas aller au masjid, il va pas la faire chez lui, à ce moment-là, vaut mieux qu'il aille au masjid. Et en général, la plupart des gens, s'ils ne le font pas au masjid, ils vont pas le faire chez eux. Donc, par conséquent, vu que les statuts légaux, l'ahkam shar'iyya, dépendent de ce qui est majoritaire et des cas majoritaires et non pas des exceptions, donc ce par quoi on doit interpeller les gens, c'est d'aller prier au masjid et non pas chez eux. Car la situation actuelle fait que si les gens ne prient pas au masjid, en général, ils ne vont pas prier chez eux. Et cette généralité est prise en compte lors des conseils généraux et des statuts généraux à travers lesquels on interpelle les gens. Maintenant, je vais citer, Inch'Allah, certains sahabas qui préféraient prier chez eux et d'autres qui préféraient prier en compagnie de l'imam. L'imam Ibn Abi Shaybah, rahimahullah, dans son Musannaf, a cité aussi bien les uns que les autres.
Donc, parmi ceux qui préféraient prier chez eux durant Ramadan, il y a eu Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui ne priait pas avec les gens pendant le mois de Ramadan, ainsi que son fils Salim. Nous avons aussi Mujahid, rahimahullah, qu'un homme questionna, Mujahid, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'un homme questionna Ibn Omar au sujet de la prière nocturne derrière l'imam, pendant Ramadan. Ibn Omar lui a répondu, garderais-tu le silence pareil à un âne? C'est-à-dire, garderais-tu le silence sans, alors que tu es capable de lire le Coran? Tu es capable de lire le Coran et tu gardes le silence tout de même? D'accord. Donc, l'avis d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, était de prier chez soi et non pas au masjid, pendant la prière de At-Tarawih. Ceci dit, cet avis d'Ibn Omar n'était pas partagé par d'autres compagnons, comme nous allons le voir. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, quant à lui, disait, si je ne connaissais qu'une sourate ou deux que je répéterais, cela me serait préférable que de prier derrière l'imam durant le mois de Ramadan. Al-A'mash, rahimahullah, dit Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, guidez les gens pour les prières obligatoires, mais ne les guidez pas durant la prière nocturne, mais ne les guidez pas durant Salat ou Ramadan. La Salat al-Tarawih est aussi appelée Salat ou Ramadan. Mais il ne les guidait pas durant la prière nocturne de Ramadan. Et pareil pour Al-Qima et Al-Aswad, qui étaient deux grands tabi'in connus. Il dit aussi, Al-A'mash rahimahullah, il dit aussi, Ibrahim et Al-Qima ne priaient pas en compagnie des gens durant Ramadan. Omar ibn Uthman rahimahullah dit, j'ai questionné Hassan al-Basri en lui disant, Ya Aba Sa'id, lorsque le mois de Ramadan arrive, que vois-tu être le plus juste, prier avec les gens ou prier chez soi, en lisant soi-même? Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, lui a répondu, je préfère te voir prononcer de toi-même le Coran, que le voir réciter sur toi. Ça, c'est les textes rapportés par Ibn Abi Shayba, rahimahullah, dans son Musannaf. Nous avons aussi l'imam Tahawi, qui a rapporté des textes à ce sujet. Entre autres, il rapporte que Mujahid rapporte qu'un homme questionna Ibn Omar en lui disant, dois-je prier derrière l'imam pendant Ramadan? Il dit, connais-tu le Coran? Ibn Omar lui a demandé, connais-tu le Coran? L'homme dit oui. Il lui dit, prie alors chez toi. On voit que c'est conditionné par le fait de connaître le Coran. Selon Al-Mughira Ibn Ibrahim, rahimahullah, il dit, les mujtahidoun, connus pour leur effort dans l'adoration, les mujtahidoun priaient seuls dans un coin du masjid, pendant que les gens priaient derrière l'imam. Ça, c'est pour Salat al-Tarawih. Dans le masjid al-Nabawi, il y avait des gens qui priaient derrière Ubay ibn Ka'b et un autre sahabi, radiallahu anhu, dont on va voir le nom par après. Donc les gens priaient derrière l'imam, et d'autres, les mujtahidoun, qui étaient connus pour leurs efforts intenses dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, priaient seuls dans un coin du masjid pendant que les gens priaient derrière l'imam. Shu'ba rahimahullah rapporte, j'ai questionné Ishaq ibn Sumayya, Shu'ba rahimahullah dit, j'ai questionné Ishaq ibn Suwayd à ce sujet. Il dit, l'imam nous dirigeait en cet endroit quant à nous avions un rang qu'on appelait le rang des Qurra, Safful Qurra, où nous prions seuls pendant que l'imam dirigeait les gens. Donc ça, c'est encore un autre tabi'i qui explique pendant que l'imam guidait les gens pendant Salat al-Tarawih, lui et d'autres priaient dans un rang seul. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, priait aussi seul au masjid pendant que l'imam dirigeait la prière en groupe. Pendant que l'imam priait en groupe, lui priait seul au masjid. Ici, une petite parenthèse. Aujourd'hui, si jamais on vient accomplir ce genre de choses, le problème qui risque de se passer, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens vont croire qu'on fait leur takfir, c'est pour ça qu'on ne prie pas derrière eux. C'est que les gens vont croire qu'on fait leur takfir, et c'est pour cela qu'on ne prie pas derrière eux. Et de même que ça risque de créer une discorde, parce que les gens ne vont pas comprendre ton avis, car il est très peu connu, je veux dire. Donc, de ce fait-là, il est préférable de ne pas agir de la sorte. À moins que tu sois dans un masjid
ou il est connu que les gens le font sans que personne ne s'en étonne. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Ça, c'est pour ceux qui connaissent une partie du Coran et qui veulent tout de même aller au masjid pour avoir le fadila et prier seul, par exemple. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire, mais à condition, bien sûr, de qu'il n'y ait pas un mal plus grand qui en découle. Et aujourd'hui, en général, lorsque les gens te voient prier seul alors qu'eux sont en train de prier en groupe, ils vont avoir de mauvais soupçons à ton sujet. Maintenant, au sujet des sahaba radiallahu anhum et des tabi'in qui préféraient prier derrière l'imam, l'imam Noé Abi Shayba rahimahullah dans son Mousannaf rapport, parmi ceux qui préféraient agir de la sorte, ce qui suit. Selon Abdullah ibn Sa'ib rahimahullah, il dit: un jour, pendant que je dirigeais la prière nocturne, j'entendis le takbir de Omar près de la porte du masjid. Après qu'il soit revenu de la Umrah, il était entré au masjid et pria derrière moi. Donc on voit que Omar radiallahu anhu priait derrière l'imam pendant Salat al-Tarawih. Selon Al-Layth ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, il dit: Taous priait en compagnie des gens pendant Ramadan. Il priait seul, mais s'inclinait et se prosternait avec eux. Par rapport à ce athar, je ne saurais pas vous dire est-ce que il s'agit du fait de prier en apparence avec eux, mais de prier seul, mais en apparence avec les gens. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais par rapport à cette question, si jamais, juste une parenthèse, si jamais vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans un masjid et que la personne qui se met devant pour prier, c'est un mouchrik qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent les morts en leur demandant ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, ou une personne parmi les catégories de mécréants qui aura commis un acte qui exclut de la sphère de l'islam, d'accord, comme ceux qui insultent Allah, qu'Allah nous en préserve, ou ceux qui adhèrent à des partis communistes ou des partis gauchistes ou des partis politiques dont les principes et les fondements s'opposent clairement à l'islam et auxquels ils ont juré fidélité et ils ont adhéré d'une manière claire et évidente en montrant qu'ils sont d'accord avec ces principes-là qui s'opposent d'une manière claire et évidente à l'islam. Si jamais ces gens-là s'avancent, l'imam Al-Qudam rahimahullah ta'ala a cité que l'imam Ahmed permettait dans ce cas de figure que si la personne ne sort pas du masjid, parce que des fois si jamais tu sors, ça risque de créer un mal plus grand et les gens risquent de ne pas comprendre ce que tu es en train de faire, et à ce moment-là même ta da'wa risque d'être bloquée et les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu agis de la sorte, même si tu viens pour leur expliquer, c'est plus une barrière que tu vas mettre entre toi et eux, et les vérités que tu cherches à leur transmettre, tu auras beaucoup de difficultés pour leur transmettre à ce moment-là. Donc si jamais tu ne sors pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pries dans le rang, tu pries seul dans le rang, mais en faisant les mêmes gestes, en suivant l'imam dans ses gestes. Mais quant à toi, tu dois prier, tu lis ce que tu as à lire, tu fais les adhkar que tu dois faire, et surtout, tu fais bien attention lorsque tu te relèves du rukou' vers le qiyam, de dire Sami'a Allahu liman hamida. Car certes, il y a une divergence entre les savants, et que le plus juste, le plus apparent, Allahu ta'ala a'la wa'alam, c'est que lorsque nous sommes lorsque nous prions derrière l'imam et que celui-ci dit Sami'a Allahu liman hamida, qu'on se doit simplement de dire Rabbana wa lakal hamd. Mais si jamais tu pries derrière un mushrik, à ce moment-là tu es obligé de dire Sami'a Allahu liman hamida, parce qu'en réalité toi tu pries pour toi tout seul, même si en apparence tes gestes sont synchronisés dans le temps avec ces gestes, mais ta prière est distincte de ta prière. C'est en cas de nécessité que tu as le droit de faire ça. Comme si dans les cas de figure, ce genre de cas de nécessité varie d'une personne à une autre, et chacun doit respecter les usul d'Al-Sunnah, aussi bien dans le hukm bil islam ou le hukm bil kufr, dans le fait de statuer de l'islam d'une personne ou statuer de la mécréance d'une personne, et il ne doit pas juger musulman le mécréant, ni juger mécréant le musulman. Et il ne doit pas rendre mécréant quelqu'un injustement, ni rendre musulman quelqu'un injustement. Et il doit respecter les règles de takfir dans le statut avant de statuer de la mécréance d'une personne, et il doit respecter les règles de l'islam avant de statuer de l'islam d'une personne Donc on doit connaître les règles, mais à partir du moment où on connaît les règles, on connaît les principes, les bawab
et les empêchements et les conditions du takfir, et qu'une personne face à nous, il est clair que cette une personne face à nous, que toutes les conditions sont respectées vis-à-vis d'elle et les empêchements sont absents, et qu'il a accompli ou qu'il a accompli une mécréance claire qui est évidente à ce moment-là, on statue, si on statue de sa mécréance, ce qui est une obligation religieuse, il en découle que on ne peut pas prier derrière lui. Maintenant, si quelqu'un a commis un acte de mécréance clair et évident, et afon, si quelqu'un a commis un acte de mécréance, soit, inshallah, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, afin de, que les esprits ne se perdent pas, je vais revenir sur la question, à savoir de, donc, je reviens au texte de Layth ibn Sa'd, il disait que Taous, rahimahullah, priait en compagnie des gens pendant le Ramadan, il priait seul, mais s'inclinait et se prosternait avec eux. Quant à l'explication de ce hadith, je n'ai rien trouvé jusque maintenant. Wallahu ta'ala ala wa ala. Aoun ibn Abi Muhammad, rahimahullah, préférait prier en compagnie des gens durant le mois de Ramadan. Donc là, on a encore un tabi'i qui préférait prier en compagnie des gens. Et Ibn Qudama, rahimahullah, rapporte selon Ahmed, il dit, l'imam Ahmed rapporte, dit que Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Jabir ibn Abdullah et Abdullah, quand il dit Abdullah, je pense ici que c'est Abdullah ibn Mas'ud. Je pense que c'est Abdullah ibn Mas'ud, ou peut-être Afwan. Astaghfirullah. Ici, il est dit Abdullah. Je ne sais pas si c'est Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Abbas. Ce n'est pas Abdullah ibn Omar, puisqu'on a déjà vu qu'Abdullah ibn Omar préférait prier chez lui. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc, lorsqu'il dit Abdullah, je ne sais pas si c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn al-Abbas. Mais en général, il y a une règle à retenir. Lorsque les gens de Mecca disent Abdullah, c'est Abdullah ibn al-Abbas. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Lorsque les gens de Koufa disent Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Ça, c'est des règles à retenir à ce sujet. Cheikh Omar ibn Abdullah al-Soudani, hafidhahullah, les a cités un certain nombre d'indices qui permettent de déterminer qui est le Abdullah en question dans son sharh de Al-Bayquniya. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais quoi qu'il en soit, Ibn Qudama rapporte selon l'imam Ahmed que Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Jabir ibn Abdullah et un autre, Ahad al-Abadillah, un autre Abdullah, soit Abdullah ibn Mas'ud, soit Abdullah ibn Abbas, soit Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhum, préférait prier au masjid derrière les gens, derrière l'imam. Et Ahmed, rahimahullah, disait aussi, selon Yusuf ibn Moussa rapporte selon Ahmed ibn Hanbal, la prière en groupe pendant le tarawih est préférable. Et si celui qui l'a pris chez lui est un homme pris comme modèle, je crains que les gens ne l'imitent. Et ça, c'est un point très très important. Si jamais l'un d'entre vous est pris comme modèle, le problème c'est que s'il délaisse la prière en groupe au masjid, les gens vont le prendre comme modèle. Mais lui va la prier chez lui, mais eux ne vont pas la prier chez lui. Donc dans ce cas de figure, son absence va avoir un effet sur le jama'a, donc il est préférable qu'il aille au masjid. D'accord? Il est préférable que d'aller au masjid. Car comme vous savez dans les qawa'id al-usul, c'est que le maslah al-amma muqaddama ala le maslah al-khassa. L'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Et ici, l'intérêt général, c'est justement ce nombre de gens qui risquent de délaisser la prière nocturne et donc de ne pas obtenir la force et la baraka et la rahma qu'il y a dans cette prière-là. Et de même, comme on a vu, ici, le fait de la faire au masjid, ça ne l'empêche pas de la faire chez lui. Donc il y a un badal, il y a un substitut. Il peut rattraper la valeur de prier chez lui, la prière de Talawih, lorsqu'il rentre chez lui, de prier un certain nombre de rakat. Mais si jamais il n'y va pas et que les gens le prennent comme modèle, comment va-t-il rattraper l'intérêt qu'il y a dans le fait que les gens ne prient plus chez lui, ne prient plus chez eux? Ça ne sera pas possible. Donc on a cité, inshallah, les deux sahaba qui priaient chez eux et les sahaba qui priaient au masjid. Il y a un avis intermédiaire entre les deux. Cet avis a été cité par l'imam al-Muzani, rahimahullah, dans Mukhtasar Qiyam al-Layl, page 232. Salih al-Mari a dit, un homme questionna al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui disant, Ya Aba Sa'id, voici Ramadan qui me couvre de son ombre, et j'ai appris le Coran, où m'ordonnes-tu de prier, seul ou de rejoindre ou de me joindre au groupe des musulmans et de prier avec eux?
ou de me joindre au groupe des muslimines et de prier avec eux. Al-Hassan, rahimahullah, lui a dit, tu es un serviteur en mesure de savoir le contenu de ton intérieur, de ton cœur. Vois donc quel contexte est le plus à même d'amener à la concentration et la crainte de ton cœur et à ton éveil d'esprit et sois attentif à t'y tenir. Tu es un serviteur en mesure de savoir le contenu de ton cœur. Vois donc quel contexte est le plus à même d'amener à la concentration et la crainte de ton cœur et à ton éveil d'esprit et sois attentif à t'y tenir. Sois attentif à t'y tenir. Ici, cette parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le Cheikh Abdurrahman al-Soudais, qui n'est pas Abdurrahman al-Soudais, celui qui est l'imam de Majid al-Haram, c'est un autre Abdurrahman al-Soudais, qui est un Cheikh Fadil, contrairement au premier qui, d'une manière claire, s'est allié au gouvernement pakistanais, faisant des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne ce gouvernement et qu'il le renforce, en sachant que ce gouvernement n'applique pas la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il prend comme référence, comme source de législation autre que la charia d'Allah, ce qui est du shirk. Donc d'invoquer Allah pour qu'Allah soutienne ce gouvernement-là, si ce n'est pas un égarement, qu'est-ce que l'égarement alors? Qu'Allah nous en préserve. Mais Cheikh Abdurrahman Soudais dont je parle est le cousin de Cheikh Abdurrahman ibn Abdelaziz, d'un autre Soudais qui est l'auteur de Al-Hakimiyya fi Adwa al-Bayan et qui est toujours en prison. Faqallah wa asra, nasallahu subhanahu wa ta'ala yfarija anhu wa an jami' al-muslimin wa yaruddahu ila ahlihi. إلى أهله سالما غانما غير خزي ولا مفتون نسأل الله سبحانه وتعالى nous implorons Allah qu'il le libère et qu'il lui permette de retrouver sa famille sans avoir changé de position et en restant ferme sur la vérité auquel il a adhéré et auquel il a appelé et nous implorons Allah سبحانه وتعالى pendant ce mois de Ramadan de soutenir l'ensemble de nos frères et de nos sœurs dans les prisons des Tawarit et qu'Allah déverse sur leur cœur de sa rahma et leur fasse voir des signes qui vont raffermir leur cœur et leur rajouter certitude sur certitude et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les libère et ne les oublions pas dans nos doigts. Et inshallah le cours prochain va être au sujet de doigts al-qunut et les détails sur cette question et surtout qu'on apprenne que doigts al-qunut ce n'est pas simplement pendant le mois de Ramadan et à la suite de ça tout au long de l'année nos prières sont absentes complètement de cette doigts dont le but est justement d'obtenir la rahma d'Allah à travers laquelle le soutien sera apporté à nos frères musulmans qui sont en difficulté et qui sont opprimés. Pour revenir, inshallah, à la parole de l'Hassan al-Basri, l'Hassan al-Basri, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman al-Soudais disait que cette parole est une manière de joindre entre les textes, une manière de joindre entre les textes qui est très correcte et surtout dans un contexte, lorsque tu te retrouves dans une situation où l'imam ne lit pas très bien. Et qu'en réalité, quand tu vas pour prier, tu n'arrives même pas à te concentrer. D'accord? Donc, Inch'Allah, je pense qu'à travers cette explication, certaines choses, j'aurais mis la lumière sur... J'espère, Inch'Allah, qu'à travers cette explication, j'aurais mis la lumière sur certaines zones d'ombre qui étaient présentes dans le cours précédent. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. أجمعين فما كان من صواب فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر